Que les cœurs qui écoutent, Seigneur, soient des cœurs disposés, Seigneur. Soient des cœurs prêts à recevoir, Papa. Soient des cœurs, Seigneur, qui fait un cœur à cœur avec toi. Merci, Jésus. Merci, Papa. Parce que nous allons passer un temps, nous serons imperturbables. Imperturbables au nom de Jésus. Un temps imperturbable. Parce que tu es au contrôle, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ouh. Donc, rebonjour, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Cela me met la joie dans mon cœur. Soyez les bienvenus. Amen, amen. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur, de notre Papa d'amour. Merci Seigneur. Et donc, aujourd'hui, j'ai la grâce de prêcher. Alléluia. C'est une grâce vraiment. Et merci Seigneur parce que je veux honorer cela. Et j'ai cette opportunité-là, puisque, pour ceux qui le savent, mais je le redis ici, le couple pastoral est parti à Madagascar. Il est parti avec un nombre de personnes anciennes, diacres, sœurs, pour vraiment apporter la grâce, pour vraiment diffuser le message de l'amour. Amen. Alors, pendant qu'ils sont là-bas, en train d'apporter, de diffuser cet amour, eh bien, l'Église continue. Et c'est le désir du Seigneur que rien ne s'arrête, qu'on prenne conscience qu'on a tous un rôle, en fait, à jouer dans cette merveilleuse relation d'amour qu'on a avec Jésus. Amen. Et avant vraiment, vraiment de commencer, je me tourne vers notre ancienne Sandra, notre bergère, alléluia, pour lui dire que le Seigneur est incroyable parce que le psaume que tu as partagé, eh bien, il fait écho à une partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et cela montre vraiment que nous sommes un. Il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit du Dieu vivant, qui fait en fait qu'il nous fait des clins d'œil comme ça. Il nous montre vraiment que lorsque tu reçois quelque chose et qu'une personne en face avec qui tu n'as pas eu de concertation te dit la même chose, prions pour avoir ce discernement que c'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. Et en ce sens d'ailleurs, je voulais en fait rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet, justement cette importance de pouvoir nous remémorer la parole, remémorer les enseignements les uns les autres. Telle à l'image de Paul, quand il envoie Timothée, nous le voyons ça dans 1 Corinthiens 4, 17, où il vient en fait rappeler aux frères de Corinthe c'est l'importance en fait de ce qu'est la saine doctrine, de ce qu'est l'évangile de grâce, de tous ces messages, de toutes ces exhortations que Paul a pu faire. Pourquoi ? Afin que nous puissions identifier, afin que nous ayons ce réflexe de comprendre ce qui est peut-être une fausse doctrine, mais aussi pouvoir en fait faire une rétrospection en se disant « Ah, ça j'ai compris, ça j'ai retenu »
ou peut-être alors être émerveillé en ayant eu une autre révélation d'un passage que bien souvent on aime dire, ah mais ça fait bon, peut-être 10 fois, 30 fois que je lis ce passage, 20 fois qu'on le prêche à l'église, ça ne me parle pas. Et puis là, un jour, une sœur, un frère vient et te rappelle ce passage, et là, bam, ça s'illumine en toi. Ça s'illumine en toi, c'est juste incroyable, vraiment. Et je voulais nous rappeler ça parce que le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est quelque chose que l'on pourrait dire que l'on sait, mais je veux croire en fait que ça va encore parler à nos cœurs, que ça va encore nous édifier, puisque finalement le but de tout cela, c'est que ça va affermir notre foi, ça va nous permettre d'aiguiser notre discernement. Et tout simplement, ça nous permet de nous rappeler les promesses de nos vies rachetées uniquement par la grâce. Amen. Donc, après cette introduction, je vais vous donner donc le titre de cette prédication qui est « Le royaume des cieux, l'expansion, le mouvement qui entraîne la multiplication ». Amen. J'aime bien les titres assez longs. Et il prendra tout son sens, vous verrez. Du coup, pour cette première partie, je vais essayer du coup de vous définir finalement ce qu'on entend par royaume des cieux, expansion, voilà. Et vraiment faire un distinguo entre ce que le monde pourrait dire de ce qu'est le royaume des cieux et ce que la parole dit. Parce que je crois qu'il est très important, comme je disais, du coup, d'identifier et de saisir et de garder ce qui est vrai. Amen. Donc, voilà, j'ai fait quelque chose de classique, hein, regarder le dictionnaire pour chercher une définition de ce qu'on pourrait dire. Qu'est-ce que l'extension? Du coup, c'est le fait de s'étendre, le fait de se développer, d'avoir plus de terrain, d'avoir plus d'espace. Amen. Et le royaume, classiquement, on sait du coup que c'est un roi qui gouverne, qui dirige un état ou un espace dans lequel il est prééminent, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir absolu. Et les cieux, cette définition-là, je la trouve très belle, en tout cas, elle me parle beaucoup, c'est un espace situé au-dessus de la terre. Je ne sais pas si vous voyez que, en fait, quand on dit ça, en fait, ça n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le début et la fin des cieux. Et ça, je trouve ça merveilleux. Cette définition est très, très belle et très, très, très forte, qu'elle puisse parler à votre cœur. Amen. Donc, de cette définition, on va dire, du monde, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le pouvoir est entre les mains d'une personne sur un territoire. Et on sait qu'habituellement, quand on dit territoire, on dit personne, on dit un peuple. Donc, qu'un roi règne sur un peuple. Ce qui veut dire que Jésus étant notre roi, c'est-à-dire qu'il règne sur nous qui sommes ses rachetés. Alors, quand j'ai vu cette définition, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu dis? Est-ce que c'est vraiment ce que tu dis de nous? Je ne suis pas vraiment convaincue. Pour cela, du coup, on va aller dans Matthieu 13, 33. Et c'est Jésus qui parle, il nous fait une parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Je répète. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Alors je rentre directement dans le sujet et je dis, le royaume des cieux, c'est la multitude d'enfants de Dieu sur terre. Amen. C'est la manifestation du Saint-Esprit dans chaque enfant de Dieu. Ah oui, j'ai beaucoup d'assurance. Hein? Amen. Comment cette révélation est-elle possible?
Eh bien, nous le savons, c'est par le sacrifice de Jésus. Et je vous raconte cette petite parenthèse. En faisant du coup cette prédication, j'avais, en écrivant en fait cette réponse, par le sacrifice de Jésus, j'ai une pensée qui m'a percutée. Et là, je me suis dit, mais... Et cette pensée, c'était, mais je suis un être spirituel. Peut-être, pour certains, c'est clair, c'est pas clair, mais j'ai eu cette révélation, cette re-révélation, je suis un être spirituel, je suis un esprit. Je suis avant tout un esprit. Où est-ce que je veux en venir? Il y a plusieurs versets, en fait, qui le montrent. Et je veux vraiment lire celui-ci parce que je trouve qu'il est magnifique, en fait. Il est dans Éphésiens 1, 4. Enfin, c'est, l'ensemble, en fait, est à lire. C'est Éphésiens 1, versets 1 à 14. Je vais y arriver. Et la partie que je vais lire, en fait, c'est à partir du verset 4 qui dit « Avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être à lui par le Christ afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. » Amen. À ce verset, je rajoute deux autres versets qui est dans Genèse 1, 26-27. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc. etc. » Et le dernier verset qui est dans Jérémie 1, 5, où nous lisons dans la version Martin « Avant que je ne te fasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu fusses sorti du sein, je t'ai sanctifié. » Et dans la version Louis II, « Je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. » Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Que je suis un esprit non né de la volonté de mes parents, mais né de la volonté de Dieu. Amen. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je t'ai connu, je t'ai choisi et sanctifié avant la fondation du monde. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait. Mais, nous le savons, cette nature divine, eh bien, elle a été corrompue par, vous le savez très bien, donc le diable qui est venu séduire Ève. Voilà, je ne voudrais pas reprendre l'histoire, je vous invite à la relire ou à vous la remémorer. Avec du coup cette fameuse pomme qui a du coup créé finalement, qui a permis en fait à Adam et Ève de revêtir la nature pécheresse. Et que de cet état, nous le savons, cela s'est répandu dans le monde. Et là je peux dire que c'est quelque part l'expansion finalement du péché, l'expansion de ce péché qui nous a alors séparés de Dieu. Mais il y a ce mais merveilleux que nous savons, mais je le redis parce que c'est tellement bon de le redire, mais Dieu est bon. Dieu est bon et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour changer ce mal en bien. Amen. Jésus, de son vivant, est venu inverser les choses, en enseignant au peuple juif qui ils sont réellement. Jésus, lui, était rempli du Saint-Esprit de Dieu durant toute sa vie sur terre. Et il s'est dévoué à prêcher la bonne nouvelle afin de réveiller les consciences des juifs sur leur identité en tant que fils et filles de Dieu. Pour cela, nous le savons, le Seigneur a enseigné ses disciples qui, à leur tour, toucheront les cœurs. Et cela est à l'image, en fait, de la continuité de l'expansion, cette fois-ci, non pas du péché, mais du royaume. Amen. Comme dit la parole dans l'évangile, elle se propagea, cet évangile se propagea et beaucoup se convertirent.
Et j'ai encore envie de souligner ce qui est le plus bon dans notre Seigneur, c'est qu'il ne s'est pas arrêté aux Juifs. Il ne s'est pas arrêté aux Juifs. Amen. Il est tellement bon. Sa façon de penser est incompréhensible pour nous, puisque il nous a permis à nous, qui sommes non-juifs, aussi d'embrasser notre identité en tant qu'enfant de Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, qui lui-même était rempli du Saint-Esprit de Jésus. Je rappelle du coup qu'à ce moment-là, Jésus n'était plus sur terre. Et pourtant, l'expansion du temps des apôtres est encore là aujourd'hui, l'an 2023. L'expansion du royaume est encore présente. Amen. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné parce que je viens d'exposer? Ah, alléluia. Dans tous les cas, c'est un rappel à faire que Jésus-Christ est mort à notre place, en clouant à la croix notre état de péché, hein, afin de nous révéler que nous sommes saints, que nous sommes justifiés et que nous sommes réconciliés aujourd'hui avec Dieu. Alors pour tous ceux qui ont accepté, et que je crois tous ceux qui vont accepter ce sacrifice, nous sommes donc scellés du Saint-Esprit. Alors je vais revenir à la première définition qui disait que Jésus règne, lui seul règne, mais j'ai envie de vous dire, dans la parole, il est dit « Dieu règne sur la terre comme au ciel ». Or Jésus dit « Le Père est en moi, moi je suis dans le Père ». Jésus, nous le savons, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et celui qui croit en Jésus reçoit le Père. Ce qui fait que nous sommes tous rois et reines sur cette terre. Alléluia! Alléluia! Vraiment, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça incroyable. Comment le monde voudrait nous faire croire que nous sommes rien, alors que la parole le dit clairement, toi qui es scellé du Saint-Esprit, toi qui es où Jésus-Christ vit en toi, tu es roi, tu es reine sur cette terre, tu règnes sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, une fois que nous savons ça, que faisons-nous de cela, en fait? Que faisons-nous de ce cadeau, en fait, de ce Saint-Esprit? Que faisons-nous de cela? Et je crois, même si certains le font déjà, certains le font peut-être pas encore, ou certains le feront quotidiennement, alléluia, je proclame, que nous avons du coup cette mission d'aller manifester dans le reste du monde ce qu'est cette bonne nouvelle. Pourquoi? Pourquoi devons-nous, ou pourquoi nous faisons-nous cela? Parce que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Amen. Et vous voyez bien, dans cette parole, c'est écrit pour son ami. C'est pas écrit pour celui que je kiffe, pour celui que je connais, pour celui qui a fait du bien, qui m'a fait du bien. C'est écrit pour son ami. Et je vois dans ami ce côté, en fait, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est super proche. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui est notre Seigneur. C'est ça la continuité de l'expansion. C'est lorsque on commence à regarder à l'autre. Tu regardes à l'autre, à celui qui est à côté de toi. Tu ne regardes plus à toi. Tu n'es plus nombriliste. Tu n'es plus égoïste. Tu regardes à l'autre. Et cet autre, c'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que Jésus lui-même est venu sur terre pour faire la volonté de son Père. Et nous sommes la continuité de Jésus. Amen. Il est venu pour servir et non pas pour être servi. Il est venu révéler au monde sa vraie identité en Christ. Par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui est cette eau vive, qui est cet esprit de résurrection qui vient vivifier ses cœurs asséchés. Alléluia. Alors nous avons vraiment besoin de prendre conscience que
le monde. Nous avons besoin, en fait, de réveiller les âmes. Nous avons besoin de réveiller ces âmes qui sont complètement endormies par la vanité de ce monde. Nous le savons, le fameux credo, c'est boulot, dodo, métro. C'est ce que le monde nous invite, nous captive dans ce credo. Et à côté de cela, nous avons la réussite familiale, avoir les enfants, avoir la maison, avoir le meilleur poste, tout ça. Et l'homme croit que tout se mérite. Il faut tout obtenir avec des efforts. Et tous ces faux raisonnements, c'est ce que le monde vit quotidiennement. Le monde est influencé par tous ces faux raisonnements. Et cela a pour conséquence de créer des sentiments de jalousie, des sentiments de culpabilité, de créer des dépressions lorsqu'on n'arrive pas à atteindre ces standards mondains. Et nous savons que quand nous sommes dans cet état-là, il y en a bien un qui est bien content de profiter de ces sentiments de culpabilité, de ces sentiments de dépression. Amen. Alors mes amis, vraiment, prenons conscience, levons-nous, rappelons-nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme à l'image de Jésus et de nos frères, laissons-nous enseigner, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Vraiment. Ainsi, comme Jésus le dit, allez, allons, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et dans la version Martin, qui est très, 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 très intéressante, il est dit, allez donc et enseignez. Enseignez. Ce n'est pas écrit, seuls les pasteurs enseignent. Seul celui qui est reconnu à je ne sais quel poste au niveau du pape, peut enseigner. C'est écrit, allez donc enseigner toute la nation et en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen, c'est dans Matthieu 28, 19. Donc dans ce aller, nous comprenons que c'est donc étendre le royaume, transmettre la saine doctrine, dont je rappelle que c'est la bonne, trop bonne nouvelle. Alléluia. Et dans cela, il y a l'activation en nous du ministère d'apôtre. Il y a l'activation en nous du ministère d'apôtre. Est-ce que vous réalisez ? Parce qu'on a bien souvent, on nous dit, reste assis. Reste assis. Non, tu n'as pas les compétences. Toi, là ? Non. Tu es trop âgé, trop jeune. Non, reste assis. Qu'est-ce que vous devez écouter ? Ce que dit la parole. Allez et enseignez les nations. Amen. Et pourquoi je dis que lorsqu'on fait ce pas, on active le ministère d'apôtre ? Je rappelle du coup que l'apôtre, c'est celui qui va implanter les églises, mais surtout celui qui enseigne le seul et vrai évangile, celui de la grâce. Amen. L'évangile de la grâce, c'est nous avons accès à la vie éternelle par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Point. C'est ça ce que nous sommes appelés à dire au monde. Vraiment, nous qui avons reconnu notre identité en tant qu'enfant de Dieu, nous allons appliquer cette belle parole qui est très poétique. Élargissons nos tentes. Élargis ta tente. Et nous savons, pour ceux qui étaient là, que le pasteur Jocelyn avait donné cette belle définition que la tente, en hébreu, c'est la souka. Et dans la souka, en fait, il y a ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous ? On le sait, c'est notre famille. Et nous n'avons plus cette vision simplement de la famille de sang, mais nous avons cette vision de la famille du Christ qui fait que nous allons étendre notre tente vers tous ceux qui sont dans la vision du monde, pas notre famille, pas notre ami, mais que nous voyons comme nos frères, comme nos sœurs en Christ. Amen. Amen. Donc vous pouvez retrouver la,
ce verset de l'élargissement de la tente dans Ésaïe 54, verset 2. Et dans cette continuité d'idées de s'étendre, il y a ce côté où Jésus est allé, c'est-à-dire de ville en ville, de village en village, en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et à ce propos, le Seigneur m'a donné une très très belle image. Il faut dire que voilà, chacun a sa manière de recevoir ce que Dieu lui met à cœur. Je sais que le Seigneur, il aime bien me montrer des images, en fait. Et par rapport, en fait, à cette histoire, en fait, d'extension, de propagation, il m'a montré, en fait, cette image, et je vous invite à la visualiser, en fait, c'est lorsque vous jetez une pierre, en fait, dans une surface d'eau. Et en fait, lorsque la pierre tombe, il y a des ondes. Et les ondes, elles sont toutes petites, et après elles grandissent. Amen. Je l'ai mis sur mon prêche, mais bon, je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas grave. Mais imaginez cela, du coup. Et en fait, cette image, c'est la propagation, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle grandisse, en fait, de la bonne nouvelle. Et à cette image, on comprend du coup qu'on peut annoncer la bonne nouvelle à notre famille, c'est normal, c'est notre premier ministère que le Seigneur nous met à cœur, mais nous ne sommes pas limités et nous sommes, comme le titre l'a indiqué, dans cette multiplication qui permet en fait de nous propager dans la famille, les amis, le travail, partout où je vais, et cela encore s'agrandit parce que nous ne limitons pas à juste notre quartier ou notre travail, mais nous allons peut-être dans une autre ville, dans une autre région, et comme à l'image du ministère de don de grâce, nous allons dans les nations. Amen, parce que nous comprenons que les nations, c'est notre famille en fait. C'est pas juste une nation, ce n'est pas pour dire nation, c'est notre famille, c'est pas pour dire juste famille, mais c'est prendre conscience vraiment que c'est notre famille. Le monde est notre famille, le monde a besoin en fait d'entendre cette vérité. Amen. Donc merci Seigneur pour cette image vraiment. Cette image qui permet du coup que nous parcourions les nations pour transmettre, pour diffuser, pour prêcher la vérité Seigneur. Oui que je suis, que nous sommes enfants de Dieu. Et je dis bien, nous sommes tous, parce que Jésus est mort pour le monde entier. C'est-à-dire, c'est pas genre juste certaines personnes, je répète, c'est le monde entier. Il le dit dans Éphésiens 1, 5, 6. Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Donc nous sommes le corps du Christ, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes un membre du corps de Christ et nous sommes appelés à prendre conscience de cette vérité. Et en relisant cette partie-là, donc tout à l'heure, le Seigneur me met une pensée qu'il y a parmi nous peut-être des personnes qui se sentent en fait exclues de cette vérité que je viens de vous énoncer. Vraiment, le Seigneur te dit qu'il est là pour toi, qu'il t'a payé, que tu as un grand prix à ses yeux. Ne pense pas que tu es mis de côté, qu'il t'a oublié. C'est vraiment la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'ai relu ce prêche encore tout à l'heure pour quelqu'un. Donc que ton cœur puisse vraiment entendre cette vérité. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur. C'est bien dit, il est mort pour le monde entier. Il ne regarde pas à ce que tu pourrais encore faire pour le monde entier. Il suffit pour toi de croire simplement, de prendre conscience de cette vérité, que le Seigneur est mort pour toi et qu'à la place, il t'a donné la vie éternelle. Amen. Et une fois que j'ai pu dire tout ça, cela semble facile à dire, comme on dit dans notre langage au quotidien.
Et combien d'entre nous appliqueraient naturellement ce que je viens de dire? Pas évident, hein. On constate que c'est, on le comprend intellectuellement, mais que la réalité est que parfois, il y a des limitations. Il y a des faux raisonnements, en fait, qui viennent accompagner ces vérités que le Seigneur nous met à cœur. Alors, comment peut-on faire? Et la réponse semble complètement absurde, c'est ce qu'il vaut avec le Seigneur, alléluia, par la grâce. Alléluia. La grâce, c'est quoi? Cette faveur imméritée donnée par Jésus-Christ et dont la seule chose, c'est de recevoir, c'est d'y croire. Croire. C'est cela à quoi nous sommes appelés à prêcher aux âmes perdues. Qu'ils croient en fait, qu'ils croient cette vérité, que nous puissions la proclamer, que nous puissions la dire, que la grâce, c'est les promesses, les bénédictions qui en découlent en fait. Que Jésus est la vérité, le chemin et la vie, et Jésus est la vérité. Et je veux vous rappeler encore que nous sommes à l'image de Dieu, de Jésus. C'est-à-dire que notre nature, notre ADN, c'est que nous sommes divins, que nous sommes esprits. Et que c'est important de le souligner parce que il y a aussi cet avantage que le Seigneur a permis, en fait, pour reconnaître, pour faire, en fait, déployer cette vérité en nous, c'est qu'il nous a donné la parole, le fait de parler. Pensant que c'est normal, mais c'est une grâce que le Seigneur a fait. Le fait que nous parlions, le fait que, justement, nous soyons différents de la nature, des animaux qui ne parlent pas, l'homme parle. Pourquoi? Parce qu'il est dit que par la parole, nous avons le pouvoir d'amener les choses à l'existence parce qu'il y a une puissance lorsque nous ouvrons la bouche. Nous avons un pouvoir lorsque nous ouvrons la bouche, lorsque je parle à cet instant, il y a quelque chose qui se passe. Le son que nous diffusons entre dans le corps, entre dans l'âme et vient percuter ta conscience. Alléluia. La parole fait battre le cœur de Jésus qui est enfoui au plus profond de toi. Parce que rappelle-toi, ce que tu vois là, ce corps que tu vois là, n'est rien. Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est ton esprit en toi. Et le fait de parler vient percuter le cœur de Jésus qui est en toi. C'est la base. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc plus je proclame la vérité, plus j'active la bénédiction. C'est le fait de matérialiser par la parole ce qui est spirituel, c'est-à-dire ce qui est dans l'invisible, que je vais rendre visible. Amen. Comment? Le fameux libre arbitre, ce sujet sur lequel on a tant de choses à dire. Mais là où je veux insister, c'est que le libre arbitre, c'est le fait de concrétiser la parole. C'est le fait de choisir ici de croire. Le libre arbitre, c'est un choix à faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons de faire des pas de foi. Nous choisissons de faire des actes de foi. Et à ce moment-là, bam, dans ma tête, je vois acte des apôtres. Mais je me dis, les apôtres, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, maintenant, c'est acte de Mura, c'est acte de Sandra, c'est acte de Johanna. Il faut saisir cette vérité. Ce n'est plus acte des apôtres. C'est toi. Ce sont tes actes à toi. Saisis cette vérité. C'est toi qui prends en main ce que Dieu dit. Alors, je proclame dans le moi. C'est ainsi qu'il faut faire les choses. Je le crois. Je proclame que dans le moi, il y a Jésus. Je proclame que dans le moi, il y a ma famille. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce. Que moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Et que cela, c'est une espérance. C'est ça la foi, c'est l'espérance. C'est la pleine espérance.
C'est une confiance ultime, sans faille. Lorsque je m'appuie sur ce que tu dis, Seigneur, lorsque je choisis de dire cette vérité, alors il y a l'expansion de la confiance que je réveille chez mon voisin, chez la personne en fait vers qui je vais dire cette vérité. Il y a du coup l'expansion de la confiance, la prise de conscience que tout est là, le 100% du Saint-Esprit, le 100% du Saint-Esprit est en chacun de nous. Et en cela, nous sommes du coup dans les lieux élevés. Les lieux élevés, nous ne voyons pas cela comme quelque chose qui est en haut. Nous avons compris, le Saint-Esprit qui est venu sur terre est venu mettre les cieux sur terre. Nous sommes déjà dans les lieux élevés. Nous qui regardons à la vérité de Jésus, nous qui regardons comme le Seigneur veut que nous regardions à travers ses promesses. Ce qu'il dit de nous, je suis le sacerdoce royal. Alléluia. Je suis le sacerdoce royal. Et par amour, je décide de prêcher la vérité, de percer les mensonges de l'ennemi qui nous faisait croire que nous n'étions rien, que nous étions indignes d'apporter quelque chose au monde, alors qu'en réalité, ma voix est autorité. Amen. Je suis roi. Je suis reine, ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que le Seigneur dit de nous, car Jésus vit en moi, et ce que je dis, la création le fait. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent cela. Un passage tellement connu, quand Jésus lève la voix, et d'un coup, la tempête, oup, elle disparaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce n'est pas juste une fable, juste une histoire à raconter pour les enfants, mais c'est la réalité et que nous sommes vraiment capables. Il n'est pas là notre frère Liès, mais il avait déjà parlé de ce témoignage. Il avait demandé à ce que la pluie s'arrête, elle s'est arrêtée. Alléluia. Ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des fables, c'est vraiment la vérité. Mais le crois-tu? Le crois-tu? Le crois-tu vraiment? Oh Seigneur, merci papa. Merci parce que oui, Seigneur, nous voulons croire. Nous voulons croire que quand nous disons quelque chose, la création obéit. Parce que la création attend, soupire après cette révélation que nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons trouver ça dans Romains 8, 19. Et là encore, le malin, le manipulateur, comme on l'appelle, comme son nom l'indique, hein, il faut nous rappeler qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous, que tout a été cloué à la croix. Alors, il faut vraiment que nous puissions arrêter de nous laisser manipuler, de nous laisser infiltrer notre esprit, en fait, par ces pensées de mort, par ces pensées d'incapacité qui viennent nourrir notre enveloppe, notre chair, qui vient exciter en fait ses anciennes habitudes. On sait, ou en tout cas, nous proclamons que ce ne sont que des mensonges. N'oubliez pas, le diable est le père des mensonges. Il ne sait que faire ça. Il ne peut que faire ça. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais nous, des fois, nous nous laissons entraîner. Quelque part, inconsciemment ou consciemment, nous disons oui. Et forcément, oui, et une possibilité pour lui de profiter de la situation. Donc, que cela résonne dans nos cœurs, puisque nous ne pouvons plus, en fait, retarder notre mission. Nous ne pouvons plus, en fait, être distraits dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Et je précise bien que cela retarde. Cela souligne encore la bonté de Dieu. Il n'est pas encore comme l'homme qui, lorsque tu fais quelque chose et que tu ne le fais pas, te retire la chose. Non, cela est juste retardé. Parce que Dieu est bon. Dieu n'est pas un homme, en fait. Mais prenez conscience des choses que cela est retardé. Mais voilà. Le Seigneur est bon. Et que vraiment notre but, c'est que nous puissions
nous multiplier. C'est ce qu'il attend de nous. Multiplier, nous multiplier. Que toutes les personnes, en fait, puissent vraiment prendre conscience de qui ils sont. Alléluia. Et avant de conclure, déjà, je me sens bien pourtant, je ne sais pas pour vous, mais... Amen. J'aimerais, en fait, vous dire qu'est-ce qui est important, c'est de réajuster. Il faut réajuster la façon dont nous parlons. Parce que la parole, notre langue, a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Nous-mêmes, comme on le précise bien, comme je dis, le diable ne peut rien. Mais puisque nous-mêmes, nous sommes quelque part peut-être pas assez stables, nous prononçons en fait des paroles de mort qui invitent finalement le diable dans notre vie. Or, il ne peut rien si nous apprenons à parler comme le Seigneur aimerait. Alléluia. Merci Jésus. Alors, je vais vous donner ce très bel exemple avant de conclure pour encore nous rappeler cette importance du réajustement de notre manière de parler. Donc l'exemple, c'est « Je suis une héritière d'un royaume. » Ok ? Cet héritage, en fait, me fait rappeler ce qu'est la grâce. En effet, l'enfant, il n'a clairement pas conscience qu'il est roi. En tout cas, il n'a fait aucun effort pour avoir ce titre. Amen. Et à un moment ou à un autre, en fait, lorsqu'il atteint l'âge de raison, on vient lui prononcer une parole, « Tu es roi ». Alléluia. Et cela fait écho, en fait, finalement, à ce que le Seigneur nous demande de faire lorsqu'on rencontre une personne et on lui dit « Tu es enfant de Dieu ». Waouh. Ok. Et de là, il y a une prise de conscience qui se fait. Et la parole est comme une clé qui vient ouvrir une réalité qui était en attente. La réalité était en attente. C'est-à-dire qu'elle était déjà là. Elle était déjà là. Et le fait que la personne reçoit, accepte la parole, il saisit alors son élection et active son titre de roi ou de reine. Amen. C'est comme vraiment cette merveilleuse image que notre pasteur Jocelyn nous avait donnée pour ceux qui font les cours avec lui, du papillon et de la chenille. C'est merveilleux. Le monde peut te faire croire que tu es encore une chenille en train de te vautrer au sol, à manger la terre, à te souiller de la terre. C'est ce que le monde veut te faire croire, que tu es là, encore en train de galérer, de ramper, de souffrir. Voilà ce que le monde veut te faire croire, alors que, en réalité, tu es déjà un papillon, en train de papillonner dans les lieux élevés, dans l'abondance que le Seigneur t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Il t'a déjà tout donné. Seulement, accepte. Fais un oui. Et encore une petite image assez sympa que j'ai reçue à ce sujet, où c'est l'image d'un contenant de céréales ou peu importe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenant est déjà rempli. Il est rempli tout le temps miraculeusement. Et chaque oui, c'est comme lorsque tu appuies, et chaque oui, en fait, déverse la bénédiction. Et cette image-là, vous pouvez la retrouver parce qu'elle est concrète dans la parole, dans Zacharie 4. En tout cas, le Seigneur m'a donné cette image-là, de ce contenant, en fait, de céréales. Je ne sais pas pourquoi céréales, je ne mange pas de céréales, mais ce n'est pas grave. Merci Seigneur. Mais en tout cas, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est ce côté où lorsque je dis oui,
tchoup, ça tombe. Et ce qu'il faut voir, c'est que si je dis oui, assurément, que je dis oui continuellement, tout, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, non-stop, non-stop. Et assurément, nous allons donc vivre la vie Zoé qui nous a offerte. Amen. Alléluia. Ainsi, pour conclure ce message, je voudrais vous partager ce verset que le Seigneur me met à cœur dans Éphésiens 5, 8, qui dit, et je vais l'adapter en disant, nous, autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. C'est le passé. Amen. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons. Marchons alors comme des enfants de lumière, il est dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et rappelons que cette maison fait penser à la tente et que la tente, elle s'élargit. Alors c'est le monde, en fait, finalement, qui va voir cette lumière que nous sommes. Amen. Nous sommes la lumière du monde et nous choisissons de notre libre arbitre. Nous choisissons d'édifier, d'apporter des paroles de vie, de semer la parole de vie autour de nous et de perpétrer ainsi l'expansion du royaume en toute occasion, en toute opportunité. Amen. Nous allons alors déployer l'évangéliste qui est en nous. Je rappelle que l'évangéliste qui est en nous, ce n'est pas la personne qui va juste évangéliser, mais l'évangéliste qui est en nous, c'est déployer la puissance de Dieu là où nous allons. Et cela se manifeste bien évidemment par plusieurs dons, et dont celui qu'on aime bien montrer parce que c'est ce que le Seigneur a toujours fait le plus, le don de guérison. Amen. Il y en a d'autres, mais c'est juste pour donner l'exemple que chacun d'entre nous est capable de manifester le don de guérison. Tu es capable de guérir ton ami, tu es capable de guérir un inconnu et tu es capable de te guérir toi-même en ce sens où tu réalises finalement que tu es déjà guéri en fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette phrase que je trouve très belle aussi, pour finir ce partage, c'est une citation qu'on utilise dans le monde. Comme je dis, Dieu aime transformer les choses. Hein? Amen. Cette citation où on dit que tous les chemins mènent à Rome. Ah, oh Seigneur. Tous les chemins, Jésus mène à la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que tu as un Père qui t'a créé, qui t'a aimé et qui veut vivre avec toi éternellement. Et cela commence maintenant en tant que roi et reine de ce monde. L'abondance est à ta portée. Alors saisis-la en acceptant simplement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors je vais prier quand même encore parce que le Seigneur me met ça à cœur pour vraiment cristalliser tout ce qui vient d'être dit. Vraiment, je vous invite à regarder en vous-même, à voir ce qui vous a touché, ce qui vous a fait du bien. Vraiment, concentrez-vous sur ce qui vous a fait du bien, ce qui a parlé à votre cœur, ce qui a fait un baume dans votre cœur. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez le cœur de Jésus qui bat en vous. Soyez à l'écoute. Et je vais ainsi élever la voix pour cristalliser ce moment, ce partage. Alléluia.
Et j'aimerais, en faisant cette prière, vous partager ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour nous, que ce message allait vraiment parler à certaines d'entre nous, ou peut-être parler à d'autres personnes qui ne sont pas présentes, mais je crois que le Seigneur va t'utiliser pour justement transmettre ce message aux personnes concernées. Tel est son amour, et cela sera bien évidemment la marque de cette expansion du royaume. Merci, papa. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur pour certaines personnes qu'il est venu, que ces paroles qui ont été dites viennent déraciner toutes ces pensées mensongères que le diable a pu mettre en toi. Cette pensée mensongère que tu es mis de côté, vraiment le Seigneur vient briser, vient révéler toute illusion qui est dans ton cœur. Il vient mettre cette lumière. Il vient éclairer la vérité en toi. Parce qu'il dit qu'il a déjà tout mis en toi. Tout est déjà en toi. Il vient mettre cette lumière. Il vient faire dissiper toute forme d'illusion que tu as laissée consciemment ou inconsciemment pénétrer ton cœur. À cet instant, le Seigneur te libère. À cet instant, la lumière jaillit en toi. Jaillit de toi. Car tu es esprit et nous te remercions, Seigneur. Parce que oui, Seigneur, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Et nous nous attachons à ta vérité, Seigneur. Nous ne croyons plus les mensonges de l'ennemi qui nous ferait croire encore que le voile est sur nos yeux parce que ce voile est déchiré. L'illusion n'y est plus. La confusion n'y est plus. Parce qu'il y a cette lumière, cette vérité en toi qui jaillit et qui éclaire. Éclaire. Tout est limpide. Toute cette confusion qui est en toi est limpide. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci, papa, parce que nous proclamons notre identité en toi. Nous sommes, Seigneur, tes filles. Nous sommes, Seigneur, tes fils. Nous sommes, Seigneur, Roi et Reine de ce monde, Seigneur, nous régnons, Seigneur, avec toi. Nous régnons, Seigneur, avec toi. Non pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais avec toi, Seigneur. Nous n'attendons pas, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, pour cet enlèvement, Papa. Mais dès à présent, Seigneur, nous vivons pleinement, Seigneur, la vie d'abondance. Et c'est parce que nous le disons, Papa, que cela, Seigneur, se manifeste. C'est parce que nous choisissons, Papa, de dire, Papa, ce qui est bon, ce qui est vrai, de tout notre cœur. Nous voulons laisser de côté, Seigneur, toutes ces incompréhensions, peut-être, Seigneur, tous ces sifflottements, Seigneur, de l'ennemi. Parce que, Seigneur, à cet instant, nous sommes hermétiques aux mensonges de l'ennemi. Nous sommes hermétiques aux mensonges de l'ennemi. Nous sommes, Seigneur, comme dans un bunker avec toi. Et c'est ta voix, Seigneur, c'est tes promesses qui résonnent, Seigneur, en nous. C'est tes promesses qui résonnent en nous. C'est tes promesses, Seigneur, ta lumière qui éclaire, Seigneur, qui illumine, Seigneur, nos cœurs.
Merci Jésus, parce que je proclame, Seigneur, ce peuple. Je proclame, Seigneur, ce peuple qui se lève, Seigneur. Tes enfants, Papa, qui se lèvent, Seigneur. Tes enfants, Papa, qui se mouvent. Qui se mouvent, Seigneur. Qui marchent. Qui marchent, Seigneur. Merci de nous rappeler que notre seule présence, Seigneur, est déjà une lumière. Et que cette lumière, Seigneur, a besoin d'être diffusée par un acte de foi, un pas de foi, Seigneur. Je crois, Seigneur, que nous le faisons, Seigneur, pour toi et toi seul. Merci, Papa, parce que nous disons que nous avons des limites, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Et parce que nous avons confiance en toi, alors nous continuons d'avancer. Parce que ce n'est pas nous, c'est toi, Seigneur, qui convainc. Et c'est toi qui nous portes, Seigneur. De gloire en gloire et de grâce en grâce. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette prédication, cette nourriture excellente qui est venue nous rappeler qui nous sommes exactement